Hey, coucou toi! Alors ça va? On se retrouve pour quoi? Pour une petite annonce. La petite annonce de. Attendez, j'arrive. Des 100 000 abonnés. Franchement, c'est juste dingue. Je voulais faire cette petite vidéo. Du coup, j'étais un peu près dépourvu. J'ai pas prévu quelque chose vraiment d'extraordinaire comme vidéo. Juste un blabla, rien que pour vous remercier. Du coup, ça me fait hyper plaisir qu'on soit juste sur ma chaîne. Tous ensemble, genre ma commu quoi en clair. Et c'est ça qui est juste ouf, c'est de voir que en voyant sur d'autres chaînes, vous soyez venu directement, genre en mode ouais, YOLO bitch! Il a sa chaîne et je reçois énormément de soutien de votre part. Ce que j'aime bien en plus, c'est qu'il y a des critiques vraiment constructives. Bon, évidemment, il y en a qui sont un peu haters, c'est. Il en faut bien, hein! C'est normal, moi ça me gêne pas du tout. Au contraire, je pense à la rigolade. J'ai la chance d'avoir fait du stream à l'époque, du coup, je connais un peu le côté positif-négatif de ce domaine. Et voilà, je voulais vous faire juste un petit blabla comme ça, tiens, on va hop là! J'ai une petite boîte de chocolat, tiens, un petit chocolat, tiens, un petit chocolat. Ouais, j'ai préféré finir mon chocolat parce que sinon vous allez avoir tous les bruits de bouche, parce qu'évidemment mon micro pue bien merde. D'ailleurs, je pense en acheter un micro-pied qui soit beaucoup plus propre au niveau du son. Et puis vous aurez pas tous les bruits de bouche dégueulasses de. Pour le décor, j'ai pas de lumière parce que ce volet-ci, il est cassé. Il est cassé. Donc il peut être que entrouvert, donc j'ai ma vieille lumière là, juste là. Et puis derrière, du coup. C'est plus le même décor, pourquoi? Parce que je suis remonté à Paris. Je remonte pour une semaine. Je redescends après dans le sud. Donc je vais retrouver un peu mon décor. Enfin, décor. Il faudrait que j'essaye de trouver un moyen de mettre quelque chose derrière pour que ça fasse plus propre et pas juste un lit avec un dragon sur le lit. Des culs. Et j'ai prévu une petite vidéo pour la semaine prochaine, du coup, je pense, qui parlera tout simplement de mon aventure sur internet. J'ai déjà préparé quelques trucs. Qui est côté e-sport, côté YouTube, stream, parce que vous êtes énormément à ne pas me connaître. En fait, j'ai remarqué ça en regardant les commentaires, tout simplement. Et je me suis dit, mais pourquoi Mika, en fait, t'essayes pas de montrer tout ce que t'as fait sur Internet, ce qui peut être vraiment cool. Enfin, moi, je sais que ça va me plaire de vous partager toute mon histoire. Du coup, je vous fais ça prochainement, très rapidement, avec un petit montage un peu à la cool comme là. Et parce que j'apprécie aussi faire des petites vidéos comme ça en mode blabla, on parle un peu de notre vie, ça me rappelle un peu le stream. C'est le kiff quoi, c'est le petit kiff. Jusque là, j'ai pas mon chat sur mes écrans et je peux pas vous répondre du coup en direct, je vous réponds en différé, c'est assez différent. C'est ça aussi qui me met un peu le malaise, c'est que t'as un peu l'impression d'être schizophrène quand t'es youtubeur. Tu parles à une caméra, tu vois là, je parle juste à une caméra, c'est chelou. Vous allez voir la vidéo, après je vais vous répondre, mais c'est pas de l'instantané comme le stream. Normalement, je suis avec des gens, je m'amuse, je suis dans mes délires et je vous fais partager ça. Et là, je suis vraiment genre dans mes délires, mais tout seul. C'est méga chelou en fait. Essayez de nous faire l'image de rigoler comme si vous étiez avec des potes, mais tout seul. Genre, c'est chelou. Du coup, je voulais vraiment vous dire tout ça. Et cette semaine aussi, il y aura une vidéo Frag Movie que Lucio m'a fait. Vous allez me dire justement ce que vous en pensez de son montage, parce que je pense en faire beaucoup avec lui. Voilà, je vous ai résumé un peu les prochaines vidéos et je voulais vraiment vous faire partager ce petit moment amical pour vous remercier, parce que c'est vraiment ouf d'avoir construit cette chaîne aussi vite. Et franchement, j'espère vraiment qu'on va faire que monter ensemble. J'espère m'améliorer très vite sur le montage. Enfin, d'après ce que j'ai vu de vos commentaires, je m'améliore assez rapidement. Donc je suis vraiment content, j'essaie de me donner à fond. Au niveau des vidéos, j'essaie d'être beaucoup moins mal à l'aise. Beaucoup moins mal à l'aise. Merci. Du coup, j'ai retenu votre petit conseil de regarder l'objectif. Je pense que là, ça va être beaucoup mieux. Parce que même moi, quand je fais mon montage, en clair, j'ai remarqué qu'au moment où je regarde le retour, c'est assez chelou. On dirait, genre, je regarde sur le côté, je vous regarde pas vous. Je comprends tout à fait ça. Donc je règle à chaque fois tous mes défauts. Très vite et j'espère vous faire partager encore de bons moments et à moi aussi hein, prendre du plaisir encore et encore. J'espère que mes projets de stream vont vite arriver parce que le stream c'est avant tout ma première passion après YouTube. Enfin, je vous montrerai justement sur mon histoire de l'internet des petits moments, je pense, de mes streams. Vous allez voir que c'est totalement différent. Et en tout cas, voilà, c'était un petit kiff. Merci encore beaucoup de votre soutien. Et puis bonne année.